Coucou mes choux, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Donc moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors je suis encore là avec une autre astuce super efficace. Donc sans plus tarder, je vous explique. Astuce là, femme peut utiliser, l'homme aussi peut utiliser. Quand tu parles, on ne t'écoute pas. Quand tu parles à ta femme, elle ne t'écoute pas. Quand tu parles à ton mari, il ne t'écoute pas. Il ou elle ne donne pas d'importance à tout ce que tu lui dis. Même si ce que tu lui dis est très très important, il ne t'écoute jamais. Au boulot, quand tu parles, personne ne t'écoute. Dans ta famille, quand tu parles, on ne t'écoute jamais, personne ne considère ce que toi tu dis. Ton commerce aussi, pareil. Tu n'arrives pas à convaincre ta clientèle. Tu n'as pas de verbe pour convaincre, pour avoir de gros marchés. Quand tu demandes, on ne te donne pas. Ta bouche n'est pas sucrée. Ton mari, c'est dehors, il donne. Mais si toi tu demandes, il ne te donne rien. Tu demandes 20 000, on te donne 2 000. Ce n'est pas du tout normal. Alors que les filles du dehors, là, quand elles demandent 20 000, c'est 50 000, on leur donne. Voilà ton secret, bien, bien dosé. Tu achètes 7 oranges sans discuter le prix. Ensuite, tu presses pour retirer les pépins des 7 oranges. Sèche bien les pépins. Ensuite, tu réduis ça en poudre. Tu tamises pour avoir une poudre lisse. Tu viens mélanger la poudre avec du bon miel. Et bien voilà. Donc, chaque matin, tu lapes un peu de ce miel. Si tu fais ça bien, comme j'ai dit, ta bouche, je te dis, ta bouche sera mal sucrée. Peu importe à qui tu parles, c'est oui. Si tu demandes, ils vont te donner. Si tu demandes quelque chose à ton mari, il va te donner. Si tu demandes à ta femme, seulement que je ne sais pas si garçon peut demander de l'argent à une femme. Bref, en fait, si tu parles à ta femme, elle va t'écouter. Voilà. Si la femme demande de l'argent à son homme, il va donner. Si tu parles au boulot, c'est oui. Tout le monde va t'écouter. Si tu parles à tes enfants, les enfants vont t'obéir. Les enfants vont écouter ce que tu dis. Donc, c'est un peu ça. Astuce là, je dis, c'est très, très efficace. Alors, pour celle qui dit, mon mari ne me donne pas là, il faut tout faire pour avoir l'astuce là. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. J'oubliais. Il y a des gens qui donnent des numéros dans les commentaires. S'il vous plaît. S'il vous plaît, faites attention. Parce qu'il y a une dame qui a été arnaquée. Vous me comprenez? Donc, je ne donne jamais de numéro dans les commentaires. Alors, si vous voyez un numéro dans les commentaires, ce n'est pas moi, oh. Ce n'est pas moi.